Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin, on se retrouve pour la suite de Fallout. De Fallout New Vegas. Et ouais, comme d'habitude. Et là, on va fouiller pas mal de zones autour de Good Spring, hein, je vous l'avais dit. Ah, il y a des grands cannes ici. Là, on est à voir ça une autre fois. Ouais. Ouais. Camp des grands cannes. Ah, on avait déjà visité le camp des grands cannes. En tout cas, on visitera ça une autre fois, parce que... Ah, il y a un truc ici, ok, neutre. La botte drogue, hein. Eh, mais c'est qu'il y a plein de... Ah, ok, ouais, c'est vrai, on remonte. Je viens de voir. Ouais. Bruit 19. Ouais, il y a pas mal de trucs intéressants, mais on va d'abord fouiller tout ce qui est au sud, hein, donc on va faire ça. Allez, on va faire déjà ça. Et a priori, il y a des ennemis. Bonjour. Alors, on est toujours en compagnie de notre nouveau robot musical. Et de Véronica. Et j'ai vu qu'on peut lui équiper des massues, des trucs comme ça. Je vais essayer de m'en dégoter à nouveau pour pouvoir essayer de l'équiper parce que ça peut être pas mal. Encore mieux que son poing. Bonjour. Bam! Ta gueule! Ouais aussi, hein! Allez, la viande de coyote! J'adore les coyotes! La coyote, ça me l'appelle mon enfance! Hein? Ouais, j'ai failli taper le robot! Allez, c'est parti mon kiki! C'est l'heure d'atteindre ma grand-mère. C'est ça le mémorial, putain. Je l'ai même pas remarqué. Putain de mémorial. Il y a l'air d'avoir des trucs aussi autour. Oh, c'est des mignons petits rats de scorpion. On va se les faire. Ouais. Heureusement que vous êtes là, mes amis, hein. Qu'est-ce que je ferais pas sans mes amis? Allez! Ouais, parce que depuis le temps qu'on se connaît, on est des amis, là, c'est sûr. Hein. Là, on est plus que des potes, hein. On est vraiment des amis. Bon, bref. Ah. Mais Véronica, tu sais que j'aimerais bien être plus qu'un ami. Ah non, j'ai comme ça, je le garde pour Lucille, si c'est possible. Ou pour celle qui m'ouvrira son cœur. Et pas au sens propre, je le répète. Ouais, pas de malentendu, hein. Même si ce serait gentil, vous m'offriez votre cœur. Mais je vous voudrais vivant, jeune demoiselle, hein. Machette, ouais, je peux te filer une machette. Tu prends les machettes? Ouh, des pièces électroniques. Ah, on peut dormir. Ah, mais je veux dormir. Allez, je m'appelle Rémi et je suis sans amis. Bon, ça c'est fait. Alors en ce moment, mon ordi il me casse les couilles avec le montage des vidéos. Là, il met 15 ans à me mettre les vidéos. Des vidéos que normalement il devrait pas me mettre 15 ans à les mettre. Mais... Véronica, tu veux pas dormir aussi parce que t'as pété un peu de poil? Salut toi. Ça va toi? Agressivité. On peut vraiment pas régler ta musique. Putain, où tu nous mets? Je veux pas casser des trucs. Bon, on va prendre ça. Bon, on va prendre ça. Et on y va. Je pue des aisselles. le super commentaire de la mort ultime, hein. Je pue des aisselles. Ouais, tu l'as déjà répété, vieux putain, il me manque celui de Fallout 3. J'espère que le mec de la radio du 4 sera moins chiant. Est-ce qu'on peut buter Monsieur New Vegas? Est-ce qu'on peut le croiser déjà?
Si on peut le croiser, ça veut dire qu'on peut le buter. Ouais. Tout personnage que tu croises dans un Fallout, tu peux le buter. Même les enfants, normalement, je crois. Allez, on y va. Non, c'est ça, ce putain de mémorial. Ok, et là-bas, on a New Vegas. Warning. Ah ouais, warning, pour me dire plus. Alors, on approche de la zone. Ah ouais, je me rappelle du camp. Comme tout ça me revient. Ouais, c'est là où il y a des trucs. Ça va être marrant de buter le papa machin, hein. Des griffes morts, mais bon, on n'y est pas encore prêt, hein, donc on va pas y aller tout de suite, hein. Je suis pas encore assez taré pour essayer de me le faire. Ouais. Je serai peut-être un jour. Il faut une pelle. Il faudra une pelle un jour. Peut-être déterrer des trucs sympas. Oh, j'ai déterré un vieux vinyle. Vous me dites, direz comment vous avez trouvé la parodie, hein. Les 4 dîners de Jody et Ryan, la parodie évidemment du chapitre Le Dîner, hein, de Beyond Two Souls. Pas. Bientôt, vous aurez sûrement les courts-métrages. Ouais, ça, on en reparlera. Hein. Putain, les courts-métrages. Ouais, ce qui est sûr, c'est que vous. Enfin, bien sûr. On essaiera aussi de faire les autres parodies bientôt. Hein. Oui, la parodie de. Putain, comment ça de Lakeview Cabin 3, la version et les scènes coupées et le Editor's Cut. Bon, on va redescendre. Moi je descends comme ça. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? C'est intéressant que je me sois pas déplacé pour lire. Des caisses de munitions. Oh, du magnum. Oh, du magnum. C'est tout? C'est tout! Fils de punaise! Oui, fils de punaise. Qu'est-ce qu'il y a? Problème? Je me demande, je suis sûr qu'il n'y a rien. Ok. Putain, il me faudrait une Till Dawn. Putain, j'espère qu'on me pètera la PS4 avec une Till Dawn avec pour que je puisse vous le faire. Ça me fait vraiment chier que ce soit pas sorti sur PS3 parce que je le veux, putain. Comme je peux pas avoir la PS3 tout de suite, là, on a un terme. Ok. Enfin, je dirais oui tout de suite. Un truc, j'hésite. Est-ce que je le fais commenter ou pas cette... Je pense que je ferai comme ça mes max non commentés parce que c'est comme un film, donc je vais vraiment essayer de faire comme un film. Et je pense que je couperai les passages les plus ennuyants. Voilà. Et j'essaierai de faire en sorte de mettre tous les chapitres en HD d'une Till Dawn. Quitte à devoir découper en plusieurs sous-parties, hein, les chapitres de vidéo, pour que je puisse avoir en HD. Ouais, ce sera en HD et donc normalement non commenté. Et vous allez aimer. Alors moi, rêvez pas avec moi, tous les survivants ne survivront pas. Et moi c'est simple, la moitié doit crever, je pense. Hein. Je vous laisserai deviner qui c'est qui vont crever avec moi. Voilà. Et pour moi, j'essaierai de faire en sorte que la moitié de crève. Voilà. Et je sais déjà qui sont les quatre que je vais faire survivre. Que je veux absolument faire survivre. Alors voilà. Ouais, faut pas que je me perde mon chemin non plus. Putain de cueillettes qui me font perdre. Alors, Mr. Bond, James Bond. Oui, James Bond. C'est James Bond. Y a un problème avec James Bond? Vous voulez pas le voir bander? Là, je vous ai dit, hein, là, c'est les chapitres les plus intéressants de cette vidéo. Où quelle est l'entrée?
Alors le but c'est... Ah là, elle est là. L'entrée de la grotte. Trouvons les coyotes et on trouvera la grotte. Putain, mais... Alors voilà. J'ai hâte d'être niveau 22. Bonjour papa. Oui, c'est papa. Dites bonjour à papa. Oui, c'est pas le vôtre, mais je m'en branle. Alors. Oh mon dieu, il fait noir. J'ai appris comment allumer la lampe torche. Enfin, j'ai re-appris parce que j'ai oublié en fait tout le temps. C'est très simple, faut maintenir B. Voilà. Ça ne nous a pas dit bonjour, bonjour. Bonjour, le coyote. Ta gueule. C'est fait. Quand je disais que je vais pas sur le strip sans machin, Freeside ça marche aussi. Hein. Je vais pas dans à l'intérieur des trucs avant d'avoir Cassidy. Ouais. Freeside ça compte aussi. Hein. Je n'aurais pas Freeside non plus avant d'avoir Cassidy. Oh, tous ces petits chiots. Je suis gentil d'une Toyota. Ils sont tout mignons et tout morts. Ils sont tout décédés. Oui, Marie, mais je te prends ton truc. Eh ben t'es morte et là je te prends. Être une femme de nos jours, ok. Oh putain de la scalpel. Scalpel comme animé par monsieur New Vegas. Et au cas où vous vous demanderiez si vous avez choisi la bonne station, n'ayez plus le moindre doute. Ah bah moi j'ai plein de doutes hein, depuis dernièrement. C'est l'heure des partenaires de Brad. What the fuck? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qu'ils foutent là eux? Putain, même la confrérie Brad, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Qui s'entraînerait sur une piste verte. Autre titre de l'actualité. Selon un nouveau rapport, ben, y a des la squelettes. Violence diminuerait considérablement. Salut, à New Vegas. J'ai failli te prendre pour un cadavre, mec. La réduction du nombre de tox dans le secteur. Bon, ben. Il existe peut-être un lien avec la diminution globale du niveau de vie des dealers de drogue. Et voilà nos dernières nouvelles. Maintenant, monsieur New Vegas, ben, c'était la foule de cette grotte. Ce fut très passionnant. Et maintenant, maintenant, on va se barrer. Mes chansons préférées, rien que pour vous. Bon. Ouais, on va passer ici. Gen Pro de Skylight, et on a le camp ouest des poudriers après qu'il faudra fouiller. Et puis après, on va faire ça. On va traverser tout ça. Ouais, on va fouiller tous ces coins-là. On va fouiller tout ça. Ça va être génial. Bon. Ça va nous prendre du temps. Mais c'est pas grave. On va lui dire bonjour au poutrier. C'est une longue marche. Je suis le plus juif des gays Jedi. Oui. Oui. Oui, je fais des bruits bizarres, je le sais. Et vous aimez ça. Ici, monsieur, bruit bizarre. Non, pas monsieur Pierre. J'ai une pro du Sky. Alors, des poudriers qui veulent m'amener un peu. Bonjour. Des mouches bouffées. Pourquoi pas. Oh, Jean Pro du Sky de la main. Jean Pro, allez. Bonjour. Il y a personne. C'est génial. Ouais. Ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps aussi que j'en ai pas cassé. Eh ben celle-là, elle veut pas. Hein. Ah ben voilà. Voilà, ça c'est fait. C'était juste pour ça en gros. Pour les tenues de fantassins mercenaires, de la merde et voilà.
Ça me déçoit. Ça me déçoit. Je me suis fait un nec. Elle peut le dire clairement. Je me suis fait un nec. Bon. Les poudriers. Bon, on va avancer un peu ici parce qu'il y a des. On va tirer les poudriers. Vous allez me faire améliorer mon karma. Ouais. Ouais, ouais, ta gueule. Stem pack, allez, vas-y, je te tout prie. Allez, il est où l'autre? C'est lui? Ah ouais. Non. Bref. Alors, je veux voir l'autre camp des poudriers. Je pense qu'ils sont pas loin. On verra bien, dès qu'on nous tire dessus, c'est que c'est bon. Il n'y a pas de gros. Oh putain, encore des mines. Bam! Ta gueule, loup! Mon karma a augmenté. Je suis content, je suis content. Je suis con aussi, peut-être. Comment ça, mon karma dit... Mais ça appartient au poudrier! C'est pas logique, les gars. Il y a un message. Elle dit que peu de patrouille dans le coin récemment, ça veut dire pas grand-chose à piller. Seul les 13 vers le nord, tu vas vers Strip, tu marches. On n'est plus en tôle, mais on doit toujours serrer les coudes. Toujours rien. Toujours plus con. Ça du vol. Caisse d'armure. Capote d'Esperado. Bon bref. Mon cœur m'a diminué, tu es fou de ma gueule. Bon. Alors. Ça c'est fait. Maintenant mon but c'est d'aller au camp sud des boucles. Des poudriers. Voilà, voilà quoi. Donc on va aller prendre l'autre chemin. Allez les gens, c'est à pâtir mon kiki. Vous êtes chaud? Vous êtes prêts? Vous êtes belge? Vous êtes... Ah là 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 là, rockball! Non, c'est pas ça. J'aurais pensé... J'ai dû me planter quelque part dans mes calculs. Qui était pourtant sûr hein, que vous étiez à blablabla. Ouais, j'arrête pas de marteler la touche, je sais. Ah bon, on arrive sur le chemin. Allez. On va découvrir un tas de nouvelles zones. Oh, des potes. Putain, vous faites dégommer rapidement. Et mais laissez-moi. Laissez-moi ça là. Yo, comment tu veux que je m'en fasse si vous m'évitez tous? Putain. Je peux même plus m'en faire. Je vais bouder moi. Bon. Le camp nord. Le camp nord. On a aussi une base de prime. Ok. Bon. Alors. La base de prime. Je suis crevé, je suis Baja Prime. Je sens qu'ils vont bien m'accueillir. Là, j'ai un coup de mou. Bon, il y a toujours des mines dans leur camp. Je crois que je vais me les prendre. Non. C'est étonnant. Putain, t'appelles ça un camp, merde.
Mais ma bite est... Alors, le camp est. Vous voyez, je suis en train de... Tous les trucs là. Non, mais n'empêche, tous les trucs que j'ai visités. C'est impressionnant, n'empêche. Oh, les grandes cornes, mais ça manquait ça. Eh les gars, j'arrive. Je vais vous faire des bisous. Vous allez m'aimer. J'aime marcher dans des trucs qui font bloup bloup. Alors. Voilà. Ce fut rapide, hein. Comme le dirait Jean Lan. Ouais, je suis con. Alors. Bon. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici monsieur Schlugegas. C'est génial de nous écouter ainsi toute la journée. Et voilà l'heure des importants. Alors la chair. Est-ce que le temps de la vodka, de la bombe de corps? Bon, que le légat avait ça, repris en main un groupe de soldats peu combatifs en battant à mort son chef au vu de tous. Le je sais que je suis toujours habillé en magie, on s'en va. Soit tué par les 9 autres dixièmes. Votre patron n'est pas si mal finalement. Encore une chose, les habitants de Novak. Qu'est-ce qui va m'emmerder ensuite? Après l'échec du lancement. Sont des poudriers déjà, ça c'est sûr, vu que je m'approche de leur campement. Le dernier. Erreur de conception, âge du matériel. Je vois le laisser. Allez, on va exterminer les derniers poudriers. Wouhou! C'est méchant! New Vegas. Avez-vous déjà dit à quelqu'un que vous l'aimiez sans le penser? Eh bien, vous allez m'éliminer avant tout ça. Voilà, bon, ta gueule. Ta gueule! Ouais, ouais. Moi, c'est comme ça que je leur ferme leur clapet, hein, tu vois. Moi, ça règle vite, hein. Alors ici, il y avait des mines, hein. Alors toi, t'as plus de bras, donc plus de chocolat. Bah, je suis con, moi. Bon. Oh, putain. What? Où t'as buté, ça? Oh. Un ratoupe. Mais c'est étonnant. J'ai plus l'habitude d'en voir dans ces jeux. Hein? Plus l'habitude d'en voir dans un Fallout, les ratos. Bon, attends, on va mettre le chemin de fer d'urgence. Et qu'est-ce qui nous attend au chemin de fer d'urgence? Ta-na-na-na. J'adore mes points électriques. Ouais, je répare le tout un jour, mais bon. Un jour viendra, mon prince me mangera, c'est logique. Il avait faim. Il était fringant comme un saucisson. Ouais. Alors c'est ça le fameux endroit. Ok. Pom 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 pom. Une ligne d'urgence. Il y a encore des poudriers, ça. Wow, on se calme là. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, je m'appelle Olivier de Corglotos. Oh, des barques scorpions qui traversent le sol. Ça me plaît toujours ça. Ouais, ça me plaît toujours les barques scorpions. Base de crime, cabane de Harper. Oh tiens, il y a des gens là, a priori. Alors, on va aller là-bas. Les barques scorpions. J'adore sauter. Il aime d'aller où déjà par rapport à l'instant?
le gang local des Ouais, donne les nombreux squatteurs de la ANC qui viennent y chercher refuge. Le chef des Kings, qui ne répond pas au nom de King, a fait part de son mécontentement. Ah, le chef des Kings, on le recroisera pas tout de suite, hein, non, c'est sûr. Il a ajouté qu'il ne voulait pas de la RNC dans le ghetto et a appelé à un retour en masse à l'expéditeur. C'est tout ce que j'avais pour vous. Ouais, bah t'as rien d'intéressant, vieux, tu pourrais pas me parler de mes récents exploits. Putain, t'es chiant, vieux. T'es chiant. Bon. Suivons un peu le chemin. Passe de prime. Ah, c'est pas une casse. Enfin, une base. Ouais, c'est une passe. Alors. Ok, c'est pas l'endroit. Bonjour, monsieur, vous êtes mort. J'avais vraiment besoin de le préciser. Alors. Bonjour. Vous êtes griffe mort. C'est pas pareil. Toi, je t'aime pas. Toi, je t'aime pas. Bon, Véronica, je te présente griffe mort. Griffe mort, je te présente Véronica. Oh, je picole là. Alors. Ouais, bon, Annabelle, j'aurai pas le temps. Griffe mort aveugle, c'est la première fois que j'en ai un. Ah bah c'était sympa ces grenades hein. Alors un griffe mort aveugle. Ok. Pas. Attends, griffe mort aveugle, il y a le mec qui m'a vu. Faut que t'as cheat la logique, mec. Bon, maintenant que je sais qu'il y a des griffes morts, Annabelle. Ouais. Je pensais pas en voir dans ce coin là. Ils sont plus vers le nord les griffes morts. Je sauvegarde toujours hein, quand il y a des griffes morts. Putain. Bon après peut-être parce qu'il est aveugle, il s'est paumé ce con. Ouais bah bon je me méfie. Griffe mort ou je m'inquiète en fait. Boum. Alors déconne, lieu cabane de harpeur, bah, j'ai découvert pas mal de lieux là. Caverne de Walking Box, il y a plein de grottes. Hein. Prospecteur d'Edge, un rabbit, lac séché. On a plein de trucs à découvrir, n'empêche. Hein. On est d'accord. Hein. Bon. Peut-être essayer de. Bonjour monsieur, est-ce qu'il y a quelqu'un? Cabane de harpeur. A priori, il doit y avoir quelqu'un qui s'appelle Harper dans le coin. À moins que je sois pas dans la logique. Bon, c'est obligé d'être toujours mort dans le coin. Bon, moi, je prends l'ours en peluche. Yo. Si, c'est la famille, Harper. Coffre à jouer. Une boîte à sandwich. Oh, non, sandwich. Oh, c'est mignon. Ouais. Sans déconner. J'en ai marre, hein. Ouais bon comme d'hab hein, y a personne. Putain de merde. Qui pensait faire copain avec des gens, non toujours pas. Puis la fusion. Vers l'infini, yo de la da. Moi y'a mes couches, y'a mes couches parce que y'a mes couches. Couche-culotte. J'ai plus le poil 250 en poids maintenant. Je pense qu'on va s'arrêter vers la grotte. On la fouillera dans la prochaine vidéo. Après qu'au passage j'ai buté quelques. Après que j'ai vendu quelques trucs à mes potes. C'est quoi ça? Bonjour. Ah, c'est le Viper. Ça fait longtemps d'ailleurs, les Viper. Alors, le Viper, je vais pas prendre ça, moi. Dynamite, ça fait longtemps. Alors, dynamite.
Bon. Alors, les vipers, c'est fait. Alors, je dois avoir des trucs à bouffer. J'ai pas du Nuka-Cola. J'ai pas de Nuka-Cola. Scotch, scotch irradié. Quoi, c'était marrant le scotch irradié, non? Moi, je suis seul à trouver ça marrant, en fait. A priori, ouais. De la bonne eau. Oh ouais, allez, je suis en train de mourir. Alors, fixeur, la mitraillette. Cuillère en métal. Ouais. Oh, râteau. Bon. Alors, je sais pas où est-ce qu'on est là, mais c'est pas du tout l'endroit que je pensais. Véronica, j'ai failli te faire crever, là. Bonjour, râteau. Ouais. On va s'arrêter, donc, comme j'ai dit, devant l'autre endroit. Où je voulais aller à la base. Alors là, on a un endroit fermé accessoirement, hein, comme on le voit. Il y a l'air d'avoir des gens qui gardent la grotte, hein. Oh putain! Oh putain, des griffes morts! Oh putain! Oh putain, Nabel! Annabelle. Putain, je savais bien qu'il y en avait dans le coin. Véronica, je suis désolé. Putain, mais t'es censé être mort. Hey, mais t'es censé être mort là! Sérieusement, il s'est pris le truc en pleine gueule. Il faut par contre arrêter les bullshit, hein. Là, il s'est pris le truc en pleine gueule. Il n'y a pas de... J'y sais rien pris, hein. Alors, faut pas se foutre de moi. Non. Reprends-moi Annabelle à chaque fois, s'il te plaît. Putain, mais tu te fous de ma gueule, là. Alors, on est... Réponse A, un peu dans la mer. Réponse C, un peu dans la mer. Réponse D, un peu dans la mer. Ça. Putain de ta mère, ma poutre. Ta gueule. Ton pote, il est mort. Son fils, en fait, je sais pas quoi. Ça va? Putain de bordel de merde. Je hais les griffes morts. Bon, allons à la grotte. Ah, on l'a déjà découvert? Ah oui, bon. Eh ben... On va rentrer puis s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit prochainement pour d'autres aventures. Putain, je te jure, s'il y a des griffes morts à l'intérieur, je pète un câble. Bon, bah déjà, il y a des ennemis directs. Allez, au revoir les gens.